Ok. Pouette. Putain, ça y est, incroyable. 23 ans plus tard, la HD. ouais, bah c'est cool, hein. Ça y est, il est sorti enfin, FF7 Remake, l'Arlésienne, hein, pendant deux générations de consoles, on nous a dit non, mais ne vous inquiétez pas, FF7 Remake, lol. Et c'était les démos techniques de la PS3 à l'époque, hein. Et ça y est, il est là. Alors attention, il est là, il y a que Midgar, hein, on se rappelle, 70 balles, une ville. D'accord. on aura l'occasion d'en parler plus tard. Il y a un truc qui me fait tiquer dans l'intro. J'arrive pas à comprendre la première partie de l'intro. Est-ce que ça nous présente Midgar avant la plaque ou juste les beaux quartiers qui sont au-dessus? Je sais pas trop, parce qu'il y a le... Vous savez, le toboggan, là, c'est le même que dans les taudis, en fait. Alors, est-ce que c'est juste un toboggan classique et qu'ils en ont 20 fois... Ils l'ont 20 fois, je ne sais pas. Bref, on s'en fout. On est là pour casser les gueules. Ça, Barrette. C'est dommage, t'as pas un petit accent du sud, quand même. Patagette, qui êtes-vous? À toi de jouer. Bon, les musiques sont cool. Après, c'est... Oui, alors, c'est carré pour taper. Et carré pour taper plus fort. Il y en a eux. Là, un intrus. J'ai autre chose à faire. Voilà. Le niveau 7, évidemment. Hein, comme à l'époque. On peut casser. Oh oui. On va tout péter. Évidemment, il y a des pots. Alors, c'est quoi déjà? C'est R1 pour courir. C'est tout à fait. On va tout péter. Alors, du coup, ouais, on chope pas des potions sur les cadavres hein, comme à l'époque. Malheureusement, par contre, les cadavres sont toujours là. Il y en a qu'un. Il est où? J'ai tué deux mecs. Où est le deuxième? Je veux mon deuxième cadavre. Ah non, ça c'est celui qui est KO. Que Jesse, elle lui a mis un coup de pied qui était pas extrêmement... Il faisait pas beaucoup de dégâts. Je sais pas, l'impact était pas énorme. Que faites-vous là? Stop, partagez. Allez, compte sur toi. Je baisserai peut-être la musique. La jauge ATB est composée en deux... Ah oui, alors... Ça va être un autre problème. Ils ont modifié le système de combat pour faire un truc un peu plus arcade, mais du coup, ça va poser des problèmes. Bon bref, plus on tape, plus la jauge ATB se remplit. Et avec la jauge ATB, on peut déclencher des compétences. Ok? Ok. On peut utiliser les quoi? Eh oui, putain, la voix de Jamy, merde. Vous avez vu Jamy qui fait des capsules de confinement sur Twitter en ce moment. Vous pouvez utiliser des compétences, des sorts ou des objets en combat quand une barre de la jauge ATB est pleine. Pour accéder à ces commandes, le menu des commandes. Ouais, les pépouettes. Ok. Du coup, les potions, toutes les actions qui ne sont pas des attaques vont nécessiter d'avoir de l'ATB. Donc, même les potions, même se soigner avec des potions. Donc, ça peut être compliqué. Des fois, tu te dis, bon, j'envoie un sort ou je claque une potion. Hors combat, il est possible d'obtenir diverses informations sur le jeu à tout moment grâce au menu principal options et à la carte du pavé tactile où figurent notamment les objectifs de quête. Lorsque l'icône apparaît à l'écran, il suffit de déplacer le personnage dans la direction indiquée pour qu'il effectue une action contextuelle, comme sauter au-dessus ou passer en dessous d'un obstacle. Bien, tu dis canette. Ah, oh, c'est rigolo, c'est un bonbon. Red Lord, ok. Ah ouais, Matsu, hein. Énorme musique, hein. Alors, ça, c'était bien vu. Je suis pas forcément ultra fan des réarrangements. Ils sont cool. Mais je trouve qu'ils sont cool surtout parce que les musiques de base, elles sont complètement dingues. Oui, on peut bloquer avec R1 et esquiver avec Ron. C'est Dark Souls. La Dark Soulisation de Final Fantasy. Alors oui, on joue en VF, hein, je m'emmerde. On a fait FF15 en VF, ça s'est très bien passé. Ok. Faut pas tirer du pognon là. Faut tirer des gills. Alors apparemment, gills au pluriel, ça se dit gill aussi. Hein. Est-ce que j'ai compris? Oh, putain, Y'a le plan du métro de Midgar. Bah, c'est pas trop compliqué, hein.
rien ici. Alors le jeu est magnifique, évidemment. On est sur PS4 normal, parce que j'ai pas la PS4 Pro. Et c'est certainement pas maintenant que je vais l'acheter, que, alors qu'ils ont annoncé la PS5. Cours de jeu, l'icône triangle apparaît. Maintenir, d'accord, oui, c'est comme dans Kingdom Hearts. Vous avez reçu deux potions. C'est la bombing mission, le thème, il est génial. Et du coup, là... on entend moins le piano, c'est un peu dommage. Parce que vous apercevez des caisses portant le logo de la compagnie Kinera, vous pouvez tout péter. Oui, comme dans God of War. Et voilà, ça nous régénère et tout ça. La 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 la, t'as qu'à tirer sur mon doigt. Dis, c'est pas bizarre qu'un soldat nous aide contre son propre camp? Il a tiré un trait sur sa carrière? Et son nom, c'est quoi déjà? Ancien soldat, qu'il a dit. Et son nom, c'est Cloud Strife. Dans le cas d'une opération armée, il vaut mieux recevoir l'aide d'un professionnel. Moi, je suis content qu'il soit là. Je suis pas venu pour me faire des amis. Après cette mission, on se connaît plus. Par contre, il a pas l'air commode. Il est mignon, c'est déjà ça. C'est reparti. Les visages, ça compte, c'est vrai, non? C'est vrai. Et moi, le visage, la taille, tout ça. D'ailleurs, regardez cette épée avec des reflets. Et il y a la petite materia, c'est la brasier. Alors, j'aurais pas dû demander. Ça, c'est rigolo parce que. C'est bon, je t'ai dit. Là, Cloud, il a équipé la materia brasier. Alors que dans le jeu de base, il a foudre et glace. Il a absolument pas feu. Et il y a que 3 éléments dans le jeu, donc ils ont mis la seule qu'il a pas. C'est beau. Ah, putain! Je suis prêt à parier que t'es pas venu jusqu'ici que pour l'argent. Je suis sûr que toi aussi tu t'inquiètes pour l'avenir de la planète. Au moins autant ça que... ça m'intéresse pas. Ta gueule. Hein. Ah, Cloud, c'est un connard. En tout cas au début du jeu. Ouais. Tu... Eh oui! Alors du coup c'est rigolo, c'est que bah, la caméra est totalement différente. Vous pouvez vous concentrer sur un ennemi, et bien sûr en appuyant sur R3 et après on change de cible. Allez, attaque! C'est moi une chier! Par contre, le jeu c'est sac à PV Land. Le chien il a 1 milliard de PV, d'ailleurs on a plus de PV que dans le jeu de base. On avait 600 PV. Oh. Paf, paf, paf. Voilà. C'est raccord avec FF15, hein, la jauge de choc. Adieu. Je crois qu'on avait quasiment deux fois les PV qu'on avait dans FF7. Je casse tout. Un éther, on est riche, c'est bon. Alors, est-ce que ça coûte toujours 1500 balles? Je l'ai raté sa mère. Je l'ai raté sa mère. Adieu. Ok. Voilà, il a deux modes de combat. Littéralement. Des caisses de la Shinra. C'est bien, mais c'est les PV que j'aimerais restaurer, moi. On peut utiliser des potions tout de suite. Alors, j'ai pris l'édition de luxe, du coup, j'ai... normalement, j'ai pas. Parce que client man. Du coup, d'ailleurs... oui, la carte. La 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 la. Oui.
C'est pas dans le système. Contenu téléchargeable. La période invoquée rapporte pas un espère à l'air naïf qui attrape ses ennemis, qui attaque ses ennemis et grâce à ses douloureuses épines. Alors on va pas s'en servir tout de suite. Mais on peut l'équiper, non? On va casser le jeu. Ouais. Réglage de combat, peut-être. Pas du tout. Et sort. Inventaire. Alors, l'épée broyeuse, une immense épée imprimée des espoirs des combats de sang. Et un bracelet de bronze assez commun du fait de son bas prix. Ok. Alors, je suis pas ultra fan de cet écran de sélection, j'aurais préféré les portraits. Mais bon. Je trouve qu'avoir les artworks, c'est plus sympa. Vous en sortez ? Bravo. Le jeu est magnifique par contre, clairement. A noter que le truc des deux Blu-ray là, il y en a un pour installer le jeu. Alors il fait que 45 Go. 45 Go pour Midgard, c'est pas mal. Mais il est bien optimisé quoi. Les points de vie indiquent l'état de santé des personnages lorsqu'ils baissent. Oui, d'accord. C'est vrai qu'on commence à morfler. Ah oui, on le fait en normal alors que on faisait. J'ai une médaille de Mog. Clairement, on voit que c'est un jeu de fin de génération, quoi. Ils se cachent vachement bien, les autres, hein. C'est vraiment Metal Gear. Hein. Pareil, les animations, c'est vraiment du bon taf. On sent qu'ils l'ont peaufiné, hein, mais je suis quand même vraiment mitigé sur le côté... épisodique et surtout bon. C'est pas marqué FF7 Midgard sur la boîte. Alors j'ai vu, c'est marqué derrière en pas très très grand que oui, ça couvre que Midgard. Mais bon, ça aurait mérité d'être marqué sur le devant de la jaquette, hein, parce que quelqu'un qui connaît pas, bah il va payer 400 € son jeu, peut-être, on sait pas. On sait pas combien il y a de parties. Mais... Ok, c'est cool. Voilà, en fait, à l'époque, la caméra, elle était là-bas et filmait ici en bas, quoi. Je reste ici pour garder la sortie. Ok, tu devrais vite les rejoindre. Ok, presque Sacha. Et ouais, du coup, c'est marrant de revoir les plans différents. Enfin, de voir les mêmes plans, mais avec des angles différents. Au début, on se rend pas compte. Bref. Je vais essayer de moins parler. Il paraît que les soldats de la Shinra sont impitoyables et qu'ils font d'excellents chiens de garde. Tu dois connaître les réacteurs par cœur. Emmène-moi jusqu'au pont du réservoir d'énergie Mako. Ça te pose un problème ou quoi? On dirait que tu regrettes d'avoir quitté la Shinra. T'es encore leur foutu clébard, hein? Tu peux refuser, ça changera rien. À la base, on avait monté cette opération sans toi. La structure des réacteurs diffère selon leur année de construction. C'est la première fois que je vois ce modèle, et ça devrait aller. Eh ben ok. Attends un peu, Bix va pas tarder à ouvrir les portes. Deux secondes, j'y suis presque. Voilà, c'est fait. Avec son gros pistolet. Bonjour. Ferme vite. Ah oui, la musique. Tu ferais mieux de te rendre. C'est ce que j'allais vous dire.
Oui, la compétence spéciale, on a vu. Il frappe plus fort. Voilà, c'est... Il est seul contre nous. Lorsqu'il utilise bravoure du soldat, Cloud donne des coups beaucoup plus puissants avec carré. Il effectue également des ripostes contre les attaques rapprochées si c'est de ses ennemis si vous les bloquez avec R1. Donc il a la riposte automatique. En revanche, Cloud se déplace plus lentement et ne peut plus contrer les attaques à distance ni les sorts de magie. Utiliser l'esquive aura pour effet de rebasculer sur le combat normal. Paf! Adieu. Passons à la suite. Ça donne potion. Des concentre-toi. Il n'y a pas de trucs à péter. Caisse, dépôt. Héritage de Zelda, quoi. Attends gentiment ici. Alors. Je couvre nos arrières. Ok. Et oui, rappelez-vous, Biggs ouvre une porte, Jesse une autre. On a obtenu les codes d'accès grâce à des camarades d'une faction. Enfin, c'est plutôt nous, la faction. On s'entendait pas sur les objectifs. Voilà, déverrouillé. Fais attention à toi. Cloud, reste avec Jesse. Y'a quoi dans le coffre ? À partir d'ici, la sécurité est encore plus élevée. Alors fais gaffe. Et c'est pas à ce moment-là que Barrett nous rentre dedans et qu'on a les deux persos ? L'ascenseur a l'air d'être tout en bas. Appuie sur le bouton à droite. Tu pouvais pas le faire, genre ? T'es un ami de Tifa, ce qui paraît ? Alors dis-moi, sans indiscrétion, vous êtes très proche ? Elle a tellement pas le temps, Jesse. Il semblerait que les intrus fassent partie d'un groupe appelé Avalanche. Toutefois, nous ne savons pas encore s'il s'agit de la même organisation que celle qui a autrefois attenté à votre vie. Nous menons actuellement l'enquête. Nous devrions bientôt en savoir plus. Pendant qu'on passe notre temps à manger et à dormir tranquillement, cette saloperie de bombe géante aspire des quantités énormes d'énergie Mako. Sans aucune pitié, sans s'arrêter. Et toi, t'as déjà réfléchi à ce qu'est la Mako ? C'est le sang qui maintient notre planète en vie. Tout comme celui qui coule dans les veines de notre propre corps. Tu comprends pas ? S'ils continuent à pomper l'énergie Mako, il se passera quoi ? Hein ? Si t'entends pas le cri d'agonie de la planète, c'est un problème, Cloud ! Parce que toi, tu l'entends, c'est ça ? Ouais, ouais ! Va te faire soigner. Vous ? Hein ? Tu te fous de moi ? Oublie la planète deux secondes et pense d'abord à ressortir d'ici vivant. Et c'est pas la peine de crier. Je suis pas sourd. Maintenant, va falloir être prudent. Si jamais je soupçonne la moindre entourloupe de ta part, je serai sans pitié. Ce sont des tourelles laser de sécurité. Et avec ton épée, tu auras du mal à les abattre.
Il est un peu râleur, mais on s'y fait. Ah. Essaie de pas me décevoir. Ouh. Barretto Wallace. Grâce au canon qui est greffé à son bras droit, elle arrête de tirer à distance sur ses ennemis. Elle maintenait carré et lui permet de faire des salves continues. Ce personnage est particulièrement utile pour abattre les ennemis que Clou, elle ne peut pas atteindre avec son épée. Ou encore, pour attaquer depuis une position sûre. Comme un sniper. Bon là, basiquement, on reste appuyé sur carré. Grosse décharge, taf. Appuyer sur triangle permet d'utiliser grosse décharge. Ah non, mais là c'est Professeur Chen. La compétence principale de Barrett, qui effectue une puissante attaque et remplit une grande partie de sa jauge ATB. Elle devient ensuite inutilisable pendant un certain temps, mais appuyer sur triangle aura alors pour effet de réduire le délai de recharge. Ah, c'est pas le meilleur gameplay, hein. Il est parfois préférable de changer de personnage avec haut, bas, gauche, droite pour faire face plus efficacement à certaines situations en combat. Par ailleurs, vous pouvez accéder à la liste des commandes des personnages alors que vous ne comprenez pas avec R2 ou L2 et ainsi leur faire utiliser des compétences de sort ou des objets. Je compte sur toi. Voilà. J'aurais même pu gagner tout seul. Si tu le dis. Ok, la prochaine fois t'as qu'à venir tout seul. Cloud, regarde ça. Des rideaux laser. Je m'y attendais. La température de ces rayons est très élevée. Le moindre faux pas, et c'est la brûlure assurée. Tu sais comment les éviter, n'est-ce pas? Les lasers s'éteignent à intervalles réguliers. Ce qui n'a aucun sens. Il suffit simplement de passer au bon moment. Exactement. Bon, je vais passer en premier. J'adore les émotions fortes. Hé hey. Regarde-moi bien, je vais t'en mettre plein tes beaux yeux. Très très chaud. Alors combat, il est possible de faire courir les personnages afin de lui d'accord. Ok. Oui. Alors on voit qu'elle a désactivé des lasers ici. C'est le carton, putain. Impressionnant. Impressionnant. On voit que tu étais. Ah oui, j'obéis bien aux ordres. Oh oui, 3 potions. Speedrunner. Ça va. Bien joué, Cloud. On s'est cramé la gueule 3 fois, mais bien joué. Ok. On s'en est tiré en un seul morceau. C'est vrai.
Regarde. On surnomme ces machines des nettoyeurs. Soyons prudents ou elles pourraient bien nous balayer. Pas si on les réduit en pièces en premier. On les défonce. Exécuter des attaques particulières ou infliger un certain nombre de dégâts à un ennemi peut l'immobiliser momentanément. L'indication fragilité apparaît au niveau de la jauge de choc. Utilisez alors des compétences ou des sorts pour remplir petit à petit la jauge de choc située en dessous de sa barre de points de vie. Et lorsqu'elle est pleine, on a déjà joué FF13. Ok, Barrette, un petit foudre. Lorsqu'un ennemi subit l'état de choc, il est complètement à la merci de vos attaques et vous lui avez d'accord, on a joué FF13. Un petit four. Oh oui, ouais, effectivement c'était correct. Dis-moi, tu m'as l'air jeune. Je suis première classe. Hein? En plus de leur rang, les soldats ont aussi un grade. Quand on dit que t'es jeune, c'est ton âge qu'on parle. Normalement. Ah, mais j'oubliais. Vous autres soldats, vous n'êtes pas des gens normaux, hein? D'accord. Première classe. Soignez-moi. Il est pas très sympa. Un éther, oui. Heureusement que les autres se sont pas réveillés. Ça aurait fait du grabuge. Ok. Bon après on a déjà fait ça dans la démo. On approche. Ça sent la Mako à plein nez. J'ai la chair de poule. Ok Barrette. Qu'est-ce qu'il y a, t'as les chocottes ? Tu crois n'importe quoi ? J'ai des frissons d'être tout près de réaliser notre rêve. Le cœur du réacteur est juste en bas. Moi, je vais attendre simplement ici. Je vais pas vous embêter. D'accord. Pardon. J'ai reçu une notification. Ah oui. Pas le temps. J'ai pas le temps pour les petites femmes. J'attendais que ça. Allez pas m'énerver. Je te rattrape pas. Adieu. Oh, je sais que ça te démange. Ok. On a fait tomber son œil. Là. On voit pas le fond. Si on tombait,
C'est bon? Non, c'est pas bon. Ah, il est invisible, c'est dégueulasse. On n'a pas le temps de célébrer. On a le droit d'être content quand même, non? Arrête de gueuler. Calme-toi, Barrette. Personne ne va te piquer ta place. Ah merde, c'est là. Je dois te le dire combien de fois, je suis juste un mercenaire. Alors ferme-la et suis les ordres. Ah, bon allez, 20 minutes. J'espère que t'es sûr de toi. Moi aussi. C'est un truc qui aurait pu nous attaquer bien avant, mais qui a décidé de le faire maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas encore de... Ok. On va se calmer. Certains ennemis utilisent des attaques imparables qui leur permettent de capturer un vos personnages. Il faut les taper avec un autre perso. Laisse-moi faire. Monsieur le soldat, un petit problème. Tu veux un coup de main, fais ça. Prends-toi ça. Ça va à ton côté. C'est une chouette. Ah non, pas les missiles. Je rappelle à quel point il est vite buté dans le jeu de base. Là, ça va être un peu plus long. Dans la barrière. En fait, tu connaissais son point faible, hein. Voilà,
Ça va aller. Je compte sur toi. C'est pas le meilleur moment. Je devrais peut-être me soigner. Tais-toi. La jauge de transcendance des personnages se remplit au fur et à mesure qu'ils subissent des dégâts et qu'ils infligent. Oui, d'accord, c'est la limite. Y être croisé. Attention à sa queue. Il s'apprête à tirer un laser. En blague. Ça touche d'ici. Ça a touché. Il suffit de bien analyser ses attaques. Ça va se délivrer. C'était douloureux. Transperçant, désolé, je suis concentré. Ah zut, c'est pas du soin. Te précipite pas. Commence à faire la gueule. Hein.
fonction d'autoréparation. Vite, il faut qu'on l'achève avant qu'il récupère. Ça marche. Il va voir, il va voir. Dès qu'on a une occasion. Merde, qu'est-ce que je fous là? Ok. Barrette, ah oui, non, il. Bah, il est mort. Ah, en faisant de la graine, ce scorpion devrait être nommé employé du mois. Vite, sortons d'ici. Wesh nous assure une voie de secours. On fonce vers la sortie. La réal est cool, hein. Bon, même si c'est pas pareil que l'époque, mais attends, c'est logique. Et ça marche très bien. Enfin, dans le coffre, j'ai ouvert. Et la lumière, enfin le moteur du jeu, il est craqué. J'ai même pas forcé, c'est vrai. Et la musique va très très bien avec le jeu, hein. Mais c'est vrai que à écouter hors du jeu, je préfère les originaux. Sauf la musique des squats, mais ça on verra plus tard. J'arrive, Jesse. Est-ce que ça va? Bien sûr. Eh ben déjà qu'elle m'aimait bien. C'est par ici. En passant par là, on devrait pouvoir rejoindre Barrett. La sortie est par là. Dépêche-toi. Putain, les caisses. Coffre. Il y a un coffre de potions en plus. Tais-toi et grimpe. Ta gueule. Mais non, si je pars pas, ça me fais comme tu veux. Il doit galérer à grimper avec l'échelle Barrette en vrai. Il n'y a qu'un seul bras. Hein. Ancien super soldat. Et voilà.
Allez, pas m'énerver. C'est pour toi. Faut vite rejoindre les autres. Sortons d'ici avant qu'il soit trop tard. Oui. Bordel, vous manquez plus que ça. Et Barrette, il s'est régène, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Comme il est sorti du groupe, il s'est régène. Ouais, et puis il s'est régène sa magie aussi. Ah oui. Ah, mais lui un petit coup de foudre, ça va le calmer. Il a pas chargé encore, c'est pas grave, moi je vais le faire. Des caisses. Je les avais pas vues. Une médaille Mog. Je sais, on est pressé, hein, mais. Médaille Mog. Normalement, il y a largement de temps de se barrer. Je compte sur toi. Cloud il est en mode pause syndical. On paie mon cher par contre. Meilleure musique. Les compos originales elles sont tellement craquées, franchement. Elles sont toujours aussi ouf. À la caméra, hein. Les espaces exigus, les jeux en 3D, pas tout. Ça changera jamais. Ah, Barrette est niveau 8. Oui, totalement. Deux en même temps. Bien sûr. Très bien. Ce rêve, t'as eu un peu de mal. Tu peux parler. La.
Oh, il me restait presque 10 minutes, plus de 10 minutes. Ah bah, grosse bombe, hein. Bien. C'est la Shinra qui détruit le réacteur en fait. J'espère que ça sera expliqué ça. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Y'a rien à prendre. Y'a pas des goodies? Ça va aller? J'ai fait exprès de tomber pour voir si tu t'arrêterais pour moi. Les crayons de vérité. Tout le monde est là. Pas de bobo. On s'en est bien sorti. T'y es pas allé un peu fort là? J'ai suivi les plans de la bombe à la lettre. Je pense que c'est dû aux émanations de Mako. J'ai peur que la ville aussi ait subi des dégâts. Malheureusement, faut ce qu'il faut. Ah oui, puis le but c'était pas de détruire le réacteur de toute façon. C'est pour la planète. J'espère que ça la soulage. Oh, ça j'en suis convaincue. Allez, sortons d'ici. On est bien au secteur 8? Presque, c'est un peu plus loin. Wedge, tu vas passer devant. Entendu. Mais il y en a pas un qui est censé avoir le feu au cul, non? Il y a plein de câbles sectionnés. Faites attention. Écoutez les gens, on va se quitter là. Des bisous, j'espère que ça vous plaît pour l'instant. J'espère que tout le monde n'a pas déjà fini le jeu. Ça pue le métal rouillé par ici. J'ai hâte de respirer un peu d'air frais. Des bisous.